J'ai le pro bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Alonne et président de l'association Ville et Banlieue, qui a pour but de favoriser le développement des quartiers les plus fragiles. Avant de revenir sur le comité interministériel des villes, qui a eu lieu le 27 octobre, après plusieurs reports, attardons-nous attardons un instant sur l'actualité. Plus de 1500 actes antisémites ont été recensés par le ministère de l'Intérieur depuis plus d'un mois, depuis le 7 octobre. Un rassemblement à l'APEC de l'Association des maires de France a eu lieu dimanche dernier au Mans devant la préfecture. Vous étiez vous-même présent Oui, j'étais bien sûr présent parce qu'on ne peut pas accepter euh, ces actes antisémites. Ça nous rappelle les plus sombres euh, pages de notre histoire, de France. Euh, donc avec d'autres élus euh, de diverses sensibilités. J'étais compris avec des élus de la ville d'Allonnes, avec des habitants de la ville d'Allon, euh, pour manifester notre, euh, notre positionnement clair, clair, clair et net. C'est-à-dire que pas d'actes antisémites, mais en même temps, j'aurais tendance à dire pour faire... République, aux côtés de pas d'actes antisémites, pas d'actes de racisme, pas de discrimination. Parce que je crois que c'est tout cela qui, qui, qui abîme notre République. D'après vous, il aurait fallu faire par exemple comme à Strasbourg, élargir le rassemblement, avec, euh, qui était officiellement contre tous les actes racistes, d'où la présence des députés filles comme Alexis Corbière Oui, encore je, je constate que au rassemblement du Mans, il y avait Élise Leboucher, la députée filles donc euh, chaque département a pris un peu ses. ses ces mesures, ces propositions, et que euh, chacun après a jugé en son âme et conscience s'il venait ou ne venait pas. Collective Justice et p 72 ont organisé plusieurs rassemblements qui appellent pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le PCF a été présent, je ne sais pas si vous-même étiez présent samedi dernier. Euh, pas samedi dernier parce que j'avais un deuil dans ma famille, mais j'étais aux deux précédents euh, rassemblements parce qu'effectivement, je pense que euh, ce qui se passe euh, en Israël, en Palestine est quand même... Euh, Terribles. Alors, ont été terribles les actes euh, de, du Hamas, euh, qui, qui, qui sont inacceptables. Que l'on peut qualifier de terroriste Ah, complètement, c'est des actes terroristes, hein, utilisons les, les mots tels qu'ils sont. Et dans le même temps, la riposte de, 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 des dirigeants d'Israël, que je ne confonds pas avec le peuple d'Israël, hein, est aussi inacceptable. C'est Quand on voit ces plus de 10 000 morts, ces populations, ces femmes, ces hommes, ces enfants qui sont euh, dévastés. Euh, ça fait froid dans le dos, vous voyez. Et donc voilà, donc plus que jamais, il faut exiger à la fois la libération de tous les otages, il faut exiger un cessez-le-feu et puis que se construisent sous l'égide de l'ONU, enfin, deux États qui vivent en bonne intelligence, un État d'Israël et un État de Palestine. Vous dites que vous souhaitez condamner de manière claire et nette, je vous cite, tous les actes racistes et antisémites. Est-ce qu'on ne peut pas les dissocier parfois Est-ce que l'antisémitisme n'est pas un racisme particulier au vu de l'histoire contemporaine de la France notamment oui, j'ai commencé par ça d'ailleurs. J'ai dit ça nous ramène aux pages les plus sombres de notre histoire. Mais dans le même temps, dans cette période, je crois qu'il faut que les démocrates, les républicains soient pleinement engagés contre tout ce qui fracture, divise, qui ne sont pas l'image de notre république. Là, vous voyez, dans chaque mairie, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Eh bien, oui, ça passe par euh, de, de protester, euh, agir contre tout antisémitisme, tout racisme, toute discrimination qui fracture la République. Même si vous-même vous, vous êtes élu parti communiste, Fabien Roussel, le PCF a été clair sur la question. Comment vous vivez un peu la position de vos alliés de la LFI, que l'on accuse un peu de faire une sorte d'électoralisme en, en schématisant comme s'il y avait un terreau antisémite dans les quartiers populaires C'est quand même assez dangereux comme jeu. Alors, déjà, je ne ferai pas un amalgame. Vous avez vu comme moi, avec des députés de la France Insoumise, je faisais référence à Élise Le Boucher au Mans dimanche dernier, à des militants de la France Insoumise. Il y a effectivement des déclarations qui sont préoccupantes d'un certain nombre de dirigeants, mais je dirais, je suis un homme de gauche. Euh, très attaché au rassemblement euh, il faut travailler il faut mettre sur la table toutes ces questions parce qu'on peut rien laisser passer qui qui laisse la moindre le moindre passage à ces, à, des, à des interprétations qui peuvent être terribles euh, mais dans le même temps faut redonner de la de la confiance au peuple de gauche avec un projet qui, qui soit rassembleur qui allie le social l'environnemental le vivre ensemble la paix parce que plus que jamais, la question de la paix doit nous mobiliser les uns les autres. Est-ce que vous craignez pas que cette affaire, et c'est d'ailleurs des problèmes qui sont déjà plus vieux, ne fracture la gauche, c'est-à-dire le PCF Votre parti a quand même été ostracisé par une partie de la France Insoumise, notamment ses instances dirigeantes. Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon, a partagé un post sur les réseaux sociaux où elle compare Fabien Roussel à Jacques Doriot. C'est quand même, là je me mets à votre position, entre guillemets, dommage à, après une alliance électorale assez inédite. Ben c'est plus quau dommage, c'est regrettable. Hein. Euh, le, le, effectivement, les déclarations, les comportements d'une minorité est quand même assez détestable. Ce que je constate euh, le, quand même trop souvent aujourd'hui, c'est que l'esprit partidaire, euh, les ambitions personnelles prennent le pas euh, sur euh, le, 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 la volonté de, pro, de produire un, un projet commun, à gauche, avec des vraies valeurs, avec des vraies bases, pour redonner le confiance à tous ces hommes et ces femmes qui s'abstiennent, certains qui se trompent de colère, pour qu'on puisse effectivement, véritablement, combattre toutes les injustices, toutes les inégalités dans, dans l'ensemble de nos territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Qu'est-ce que vous entendez par se tromper de colère, peut-être des, des votes vers d'autres partis politiques Bien sûr, bien sûr, on voit bien qu'il y a des gens qui, euh, je rencontre, moi, dans une ville comme Allonne, il y a des gens qui sont en colère, qui, qui utilisent au plan... Des, euh, des votes RN, euh, ben, c'est un vote qui se retourne contre eux, donc euh, le souci, euh, c'est un travail de conviction et puis surtout de, de, de présenter un projet qui montre pas une gauche en train toujours en train excusez-moi le terme un peu populaire, en train de s'engueuler, mais plutôt en train de travailler ensemble pour euh, avoir un vrai projet qui soit porteur et, et j'espère et je souhaite, parce qu'il ne faut jamais désespérer et, et l'heure est tellement grave qu'il y en a plus que jamais besoin que dans les prochaines échéances électorales, et eh bien nous pourrons arriver à cet objectif. Comme nous le faisons maintenant. Modestement au plan local d'ailleurs. Pour, pour finir justement sur, ces, sur, ces, sur ce climat assez récent, comment on le vit Parce qu'on s'en doute qu avec, à l'heure de l'inflation, à l'heure des problèmes de logement, ce n'est pas ce qui obsède le plus, ou obsède tout court, c'est un pléonasme, et les habitants d'Alone, mais à la fois en tant qu'élu d'un quartier prioritaire et à la fois en tant que président de maire et banlieue qui est dans une vision d'ouverture, comment on vit ce, ce climat C'est délétère c'est, euh, je vais vous dire que je, je le vis bien euh, parce que j'ai une autre conception, un autre rapport euh, à ce que je, je pense comme euh, comme solution et que j'ai un peu dit précédemment. Vous voyez donc. Euh, mais dans le même temps, quand on quand on est un citoyen d'une ville populaire, hein, encore plus un militant politique et encore plus un maire. Hein, euh, je n'ai pas envie de me, de, 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 de comment dire, d'être dans la sinistrose. J'ai envie, parce que je pense qu'il y a des possibilités de rassemblement, de débat, de discussion, de proposition alternative. J'ai envie d'en, d'en, d'en être et d'y contribuer modestement, euh, mais d'y contribuer pour les, les mois et les années à venir. Gilles le Proulx, donc euh, vous êtes maire d'Alonne, président de Ville et Banlieue. Après quatre reports, le comité interministériel des villes a eu lieu enfin le, le 27 octobre. Qu'est-ce qu'il en ressort d'après vous Alors, La première chose, c'est qu'il a eu lieu. Vous avez raison de le signaler, puisque la première date était à la mi-novembre. Donc, il a eu lieu avec près d'un an de, de, de retard, avec cinq reports. Alors, c'est toujours pareil. C'est toujours la question du verre à moitié plein, à moitié vide. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que notre appréciation, c'est que. Il y a un nombre de mesures qui ont été prises, qui ont été proposées, qui étaient d'ailleurs, que nous avions mis sur la table, qui ont été retenues, je pense, par exemple, sur l'élargissement des sites éducatifs, je pense aux 15% du fonds vert, ce qui est un financement pour accompagner les investissements pour lutter contre le réchauffement climatique, l'isolation des bâtiments a été retenue. Il y a des choses, y compris en, en direction des clubs, en termes d'accompagnement de, pour des éducateurs socio sportifs. Voilà, il y a, il y a des ouais. choses. Nous prenons acte. Mais incontestablement, par rapport à ce que nous vivons au quotidien comme élus, ce que vivent les habitants au quotidien, vous avez évoqué vous-même les questions de, de pouvoir d'achat. On, on voit bien, et j'ai encore en tête l'appel du président de la Resto du Cœur, qui dit on va plus pouvoir faire face. La situation se dégrade et, et, et les réponses apportées sont plutôt des mesures qu'un véritable plan d'ensemble qui a la volonté de faire reculer les égalités dans nos territoires de faire que les politiques gouvernementales quels que soient les ministères s'y engagent fortement. Euh, et on s'en pas, pas ce souffle-là, mais comme on n'avait pas senti euh, ce souffle dans ce qui devait être le grand discours du président de la République à Marseille avant les, les émeutes, où il y a eu deux mesures en fin de compte, mais pas un, un projet d'ensemble pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés les uns les autres. Parmi ces mesures, Elisabeth Borne a annoncé la création des forces d'action républicaines, euh, sur, apparemment visiblement regroupées sous l'acronyme FARD. Chez nos confrères de politice, euh, vous avez reconnu ne pas y comprendre grand-chose. C'était il y a deux semaines, depuis, vous y voyez plus clair non, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a demandé à une rencontre à la fois au cabinet de la première ministre au cabinet de la, la secrétaire d'État. Quand je dis « on je », je devrais plus te dire « nous avons demandé à l'association des maires de et banlieues. Nous allons également être reçus le 1er décembre par le, ministère, le ministre du Logement, parce que là aussi, par rapport au DALO, c'est pour bien ce que... Parce que Dallos, c'est des personnes précaires, on dit que ce sera les plus précaires. Moi, le plus précaire de précaires, on n'a pas bien compris ce que ça voulait dire. Ça, ça les met, d'ailleurs les préfets dans des situations très, très compliquées. Donc non, il y a, oui, il y a besoin d'éclaircissement parce qu'il y, y, y a des mesures annoncées. Il y a beaucoup de verbes mais pas forcément avec des mesures concrètes. Et ce qu'attendent les habitants de nos, de, de nos territoires, hein, c'est des actions concrètes en termes d'éducation, d'accès à la santé, euh, d'accès aux pratiques scolaires, aux aspects culturels, euh, l'accès à l'emploi, qui est quand même une des questions essentielles dans le quartier, qui concentre encore le plus de gens qui sont ou au chômage ou en précarité. En plus de ces forces d'action républicaine, un autre sujet sur lequel vous avez avoué ne pas avoir tout compris, encore je, je vous cite chez Politis, c'est le programme entrepreneuriat quartier 2030. Cette fois-ci, je vais inverser la question, je suis un peu taquin. Qu'est-ce que vous avez compris en fait de, ces mesures, de cette mesure J'ai compris que c'était euh, euh, une proposition forte du président de la République. Il avait, là, il l'avait il annoncé à Marseille. Mais laissez croire qu'on va régler le problème du chômage, de la formation, de l'insertion. Qu'en partant de, 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 de cet angle d'entrepreneuriat, de, 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 cela de <laughs> nous laisse beaucoup dubitatifs, les maires de l'Association des maires de Ville et quelles que soient nos sensibilités. Alors, bien sûr, il y a des jeunes qu'il faut accompagner, ou des moins jeunes d'ailleurs, dans des créations d'entreprises. Oui. Enfin, en même temps, euh, c'est pas ça qui va régler la, la, la question du chômage dans le quartier. Moi, j'ai cru comprendre qu'il manquait du personnel dans la métallurgie, dans les, les métiers de bouche, l'hôtellerie, la restauration. Est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir comment, en lien avec euh, la région qui a, qui, a, qui a la compétence de la, de la formation, comment travailler avec l'éducation nationale à faire à avoir des filières qui permettent justement que lorsque ces jeunes s'engagent dans ces filières, eh bien ça débouche sur un emploi, y compris avec une condition quand même. Il faut que ces emplois soient bien rémunérés et que les salariés soient respectés parce qu'ils ne peuvent pas s'étonner parfois vu les conditions de travail qui leur sont données. Et si on inverse le problème pour des personnes. Des, comment dire, des métiers qui ne trouvent pas preneurs, comment on fait On ne peut pas forcer les gens à travailler, même si le gouvernement va encore aller dans ce sens. Bruno Le Maire a annoncé à mots à peine voilés, d'ailleurs, des, encore des, des durcissements d'accès aux indemnités chômage, pour ouais, justement inciter les gens à travailler. Ça, c'est par particulièrement inacceptable, parce que c'est pas ça qui va régler. On va surtout mettre encore plus en difficulté des, des femmes et des hommes. On peut, on peut concevoir que quelqu'un qui a fait une formation qui se retrouve au chômage, euh, dans tel secteur, il n'ait pas envie, parce qu'il faut absolument aller au boulot, faire un secteur qui. Qu'il n'intéresse pas ou il n'a pas d'aptitude particulière. Enfin, ça ne marche pas comme ça. Euh, D'ailleurs, il y a eu beaucoup de débats, d'échanges de sociologues sur la souffrance, la souffrance au travail. Ça devrait y compris interroger celles et ceux qui nous dirigent. Il faut, faut, y a besoin, euh, quand on fait un travail, euh, d'une, que le travail le plaise, qu'il soit correctement rémunéré euh, et, et que les gens soient respectés dedans et qu'ils aient eu le temps des moments de, de, de se ressourcer. Alors bon. Je pense qu'il faut toujours se méfier des il ifo yacha Je trouve que ce gouvernement, en termes d'emploi, est comme trop souvent dans ces. Vous avez cité le ministre le maire. Est trop souvent dans ce ces dans incantations. Euh, non, je pense qu'il faut un grand plan et de, 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 de formation euh, en, en associant les, les, les salariés, en associant les entreprises, les syndicats, euh, patronaux et, 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 des, et des salariés. Vous voyez pour essayer de trouver des réponses qui soient les plus pertinentes possibles. Je dois vous dire d'ailleurs que j'ai un vrai doute sur. Euh, le, 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 le rassemblement entre, entre Pôle emploi et l'émission missions locales dans France Travail, je me méfie toujours des grands trucs. On nous avait expliqué il y a quelques années euh, que les groupements d'hospitaliers de territoire, ça, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être super bien. Je constate qu'on s'arrête c'est plutôt euh, pas tout à fait ça qui s'est passé quand je vois les fermetures euh, de la maternité euh, et autres à, à, la, à la Ferté, mais y compris dans d'autres sites, à Saint-Calais euh, et d'autres euh, centres hospitaliers, je pense à ma mère également, et puis je pense, je pense que l'état de, de l'établissement santé mentale qui est basé sur Alain, ou sur la psychiatrie où ça c'est un véritable désastre quoi, et qui, qui, qui impacte à, à commencer les malades, les familles et puis l'ensemble des habitants. Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'état chargé de la citoyenneté et de la ville, s'est dite surprise euh, dans la Gazette des communes par ses élus locaux qui ne cessent de l'appeler pour lui dire que le gouvernement n'a pas de vision sur la politique de la ville et des banlieues. Est-ce que vous faites partie déjà de ces élus qui l'appellent pour se plaindre oh, Je l'appelle pas particulièrement, je ne l'ai pas eu depuis d'ailleurs ce comité à des villes. Je n'oublie pas qu'elle est venue fin août. Euh, début septembre. Début, début septembre. septembre. Alors vous voyez comme quoi le temps passe vite. Il euh, faisait très chaud, c'est pour ça. Et alors, et alors une anecdote, parce qu'après tout, c'est aussi important pour vos auditeurs. Euh, on avait vu ensemble pour quelle rencontre des, 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 des habitants, des acteurs associatifs. Donc, il y avait un temps sur la cité éducative avec euh, les classes orchestres des Alliés de Puis il y avait un temps sur euh, tout ce qu'on avait fait autour de, de, des Jeux olympiques et paralympiques, les Olympiades sportives. Et là, il y avait des, des acteurs. Et moi, j'avais fait la proposition qu'au qu 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 modèle des cités euh, éducatives, on fasse des cités sportives pour mettre ensemble l'ensemble des acteurs avec des moyens pour justement faire que les pratiques sportives soient beaucoup plus développées qu'elles le sont dans nos quartiers, puisque la moyenne de licenciés dans nos quartiers est inférieure à celle de, de ce pays. On m'a dit, je peux, euh, parce que tu dois facilement, hein, je peux vrai, reprendre oui. l'idée, alors j'ai dit, pas de problème. Bah, L'Ida a dû se perdre au chemin, mais on n'y retrouve pas de trace dans le, le CIV. Vous voyez. Donc voilà, il euh, y a ça en direct sur Alon et au CIV de Chantou-les-Vignes, où auquel j'ai participé, ça a disparu. Donc, euh, vous prenez qu'on peut être un peu interrogatif. Et, et, oui, parce que c'est pas que... Vous voyez la question, les ministres, ils sont pas là pour faire plaisir euh, au maire d'Alon, au maire de Chautau-les-Vignes, euh, au maire de Grigny, au maire de Roubaix. C'est aucun intérêt. Mais c'est d'apporter des réponses concrètes pour que les habitants de ces quatre communes et toutes les autres puissent avoir des réponses concrètes dans leur vie quotidienne. Elisabeth Morne, elle a également demandé, euh, elle a annoncé qu'elle demanderait au préfet de ne plus consacrer, concentrer pardon, les plus précaires dans, dans les quartiers. Euh, ça vous inspire quoi bah, C'est une demande que nous, que, que, que nous, que nous faisions, nous, à hein, ville et bon Dieu, parce que euh, Il y a une sorte un peu de ghettoisation avec des guillemets Bien sûr, euh, il y a des situations un peu complexes, euh, orientées vers, euh, vers les quartiers prioritaires. Euh, je crois qu'on n'a pas à faire la démonstration que nous sommes des villes accueillantes, solidaires. Nous mobilisons enfin les C.S.A.S, les services publics, les associations pour permettre que ça se passe le mieux possible. Et puis à côté, il y a parfois des villes, je ne parle pas de la Le Bon Métropole en particulier, mon plan national, puisque là c'est aussi ma casquette de président de ville et banlieue, qui ne font pas beaucoup d'efforts, qui détournent les yeux quand on leur demande d'accueillir des, des gens qui, sont, qui ont des parcours euh, complexes. Il y a également des villes qui payent des amendes pour ne pas avoir un taux de Tout à de fait, HLM. vous avez raison. Il ben, faut que l'État... Et les préfets en particulier, ils les moyens de dire stop, stop voilà, tant de familles, vous êtes tel appartement, voilà, vous allez prendre telle et telle et telle famille. C'est aussi une bonne manière de les intégrer, de leur permettre de, de reprendre complètement leur place dans la société. Justement, puisqu'on parle de, de logement... Euh, pour répondre à la crise du secteur immobilier qui, qui rajoute à l'inflation, qui rajoute à ce climat dont on parlait tout à l'heure, la première ministre Elisabeth Borne, en déplacement ce jeudi à Dunkerque, a fait une série d'annonces sur la production de logements. Parmi elles, on note la construction de 35 000 logements étudiants d'ici la fin du quinquennat la sélection de 20 territoires d'accélération où justement ces logements seront, euh, pas concentrés, mais priorisés. Ça va dans le bon sens pour vous ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin de logements étudiants. On voit bien la galère quand quand quand, quand nous sommes parents, que nos, nos nos enfants vont faire des études dans telle ou telle ville. C'est on est confronté, on trouve un appartement, à des coûts souvent exorbitants qui complexifient incontestablement le, le parcours des étudiants. Donc tout ce qui pourra améliorer effectivement il bon, faut le prendre positivement, mais euh, mais d'une, la question du logement, elle est bien au-delà du logement étudiant. Il y a un manque crucial de logement aussi bien en locatif qu'en accession à la propriété. Et là, l'État n'est pas au rendez-vous. C'est ce que nous dirons d'ailleurs le 1er décembre au ministre du Logement que je rencontrerai avec une délégation de villes et banlieues. Et puis puisqu'elle parle des, des étudiants, Madame la Première ministre, je ne passerai pas comme sous silence euh, le, 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 le parcours du combattant aujourd'hui pour euh, trouver une université pour un. Lycéens, hein. Par le rapport à Parcoursup, c'est quand même, euh, tout le monde s'accorde à dire que ça ne colle pas, qu'on qu laisse trop de gens sur le, sur le tapis. Que, c est, c est, c est, voilà. Parcoursup, vous le condamnez sur le fond ou sur la forme C'est-à-dire sur le fond, dans le sens euh, euh, c'est volontaire pour peut-être qu'il y ait moins d'étudiants qui accèdent au supérieur, mais dans ce cas-là, avec une classe de bac, avec, avec une classe d'âge qui accède à, je n'ai plus les chiffres exacts, peut-être 80%, 80%, 80 d'accès au bac, on ne peut pas les laisser sur le côté ou sur la forme, parce qu'on remet entre les mains d'un algorithme, le destin de nos enfants Je, dirais les, les deux. Deux, je dirais les deux. Sur le fond, oui, parce qu'on est la sixième puissance mondiale. On a besoin, euh, je dirais, de, 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 de salariés de demain, quel que soit leur, leur niveau formé, qualifié, euh, ouverts sur toutes les évolutions euh, techniques, sociologiques, de réflexion. Enfin, tout bouge aujourd'hui. Donc, on a besoin d'élever le niveau d'études pour pouvoir avoir, y compris que chacune et chacun trouve sa place dans le monde du travail de, et d'une manière la plus sereine possible. Et puis sur la forme, effectivement. Alors là, euh, bah, oui, ça, c est, c est, ça dépasse tournement. Dernière question Gilles prou pour euh, suite à ce comité inter interministériel des villes. Quelle est la suite pour vous, pour, euh, en tant que président de ville et banlieue Après ces, ces mesures annoncées. Alors, on, 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 nous allons, euh, nous avons demandé euh, un rendez-vous avant la fin de l'année, à la fois au cabinet de la première ministre, au cabinet de la secrétaire d'État, pour faire le d'une, avoir des éclaircissements sur ce ensemble de mesures pour bien s'assurer qu'un certain nombre de mesures qui, ont été, qui sont plus concrètes sont bien actées dans la loi de finances 2024, euh, et puis pour mettre en place un, demander à mettre en place un observatoire d'évaluation, de la mise en œuvre, alors à la fois des mesures dans le CIV, il y en a un certain nombre, mais surtout de bien s'assurer que l'ensemble des ministères sont particulièrement actifs dans tous nos quartiers. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple pour vos auditeurs. Ça peut être du jargon ce que je dis. On a une cité éducative sur Allon. On est content, ça fonctionne plutôt bien. Les, tout, les acteurs sont contents, parents, enseignants, etc., associations. Mais si dans le même moment, l'éducation nationale supprime des postes, mais pas seulement d'infirmières, de psychologues, de médecins scolaires, on a un problème. Donc, il faut vraiment bien que le, ce qu'on appelle le droit commun gouvernemental soit particulièrement présent dans le territoire pour que toutes ces politiques euh, qui, 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 qui ont une utilité, c'est viser à faire reculer les égalités d'un territoire à un autre. Voilà, donc c'est ce que nous allons demander, réclamer. Euh, et puis, nous allons comment, continuer à proposer des mesures que nous mettons dans nos villes pour demander qu'elles soient généralisées quand elles fonctionnent. Est-ce qu'on peut citer une mesure ou deux pour finir on a parlé de, de cité éducative. On va bien suivre que ça va vraiment jusqu'au bout. J'ai parlé de cité sportive. Il y a également, euh, d'ailleurs, président de la République, euh, j'avais assisté avec certains certain nombre de collègues à, à sa rencontre à l'Elysée sur l'insertion par le sport. Là aussi, euh, il faudrait voir comment, dans chacune des régions... Vous l'avez rencontré à ce sujet, d'ailleurs Ouais, c'est ça. Oui, Juste après l'appel de Lyon, ouais, on lui avait remis de la main à la main avec euh, Catherine Renaud, la première... La première vice-présidente est maire de chou et Philippe Priot, le, le, le maire de Grigny, qui est vice-président de Ville et Banlieue. On a eu le temps d'échanger un petit peu pour lui faire, essayer de lui faire passer un certain nombre de messages. Euh, donc voilà, donc oui, c'est ces mesures comme ça concrètes que nous avons besoin, mais surtout, y compris qu'on prenne en compte ce qui existe dans les territoires, qu'on puisse les valoriser et les généraliser. Merci, Gilles Le Pro. Merci.